Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Viens me bâcher, pauvre con! La livraison est arrivée! C'est le livreur. La qualité, ah, c'est pas Uber, nous on est monté jusqu'à devant la porte pour livrer. Il transpire son con. Quand il sonnait, il est là. Je suis en place, le téléphone est là. Quasiment tout le monde est arrivé. Là-bas, ça se tape la discute. Oh, vous êtes chaud ou quoi? Oh, les rigolos. On est bouillant. Il y a la rappeuse R&B breakdanceuse. Il y a Monsieur Poisson. Toujours. Il veut te faire. Il veut te faire. Il y a Caïs. On mange. Voilà, dans 5 minutes on démarre. 5 minutes, l'avion sang, c'est parti les gars. Bravo. Bravo! Et la caméra est très forte. J'en ai des tas. Mais tout ça, petite fer et m'ennuie. Moi, je voudrais. Regardez, donc là, il y a les beaux gosses, tu vois. Et là, il y a lui. Est-ce que César ira? Oh, je suis bien là. Il y a deux personnes. Il y a d'abord lui, à te montrer. D'abord lui, l'Albanais. Oh, le sang, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tu me casses. Et ouais. Il y a lui. T'es quelqu'un de malhonnête. Dis-moi, c'est le fruit d'une erreur que tu regrettes. Tu voulais me faire subir un supplice, une injustice pour que je te dise à quel point je t'aime. Est-ce qu'il fait ça mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Je peux même pas le savoir. J'essaie d'être le plus calme et serein possible. Mais j'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. Ça détruit ma vie. Je me suis emballé un peu sur mon snap pour réagir et pour apporter du soutien et pour dire ce que je pense, ce que je sais. Mais au final, c'était comme si je me parlais à moi-même et à la fin, j'ai dit tout ce qui importait. Et avant de rebalancer les vidéos ici, je vais dire ce qui importe de tout ce que j'ai dit. C'est un message d'amour en fait. Parce qu'à un moment donné, la haine n'engendra rien d'autre que de la haine. Et si on n'arrive pas à apaiser les tensions, si on n'arrive pas à faire en sorte de trouver la paix et d'apporter du soutien aux personnes qui en ont besoin, je parle de Marine comme je parle de Guira, on n'arrivera qu'à une seule issue, c'est un drame et personne n'en veut. Que les gens aient fait du mal ou pas, l'important c'est qu'à un moment donné, on arrive tous à aller dans un sens. Le sens de l'amour, du positif. Et je ne veux pas moi-même attiser la haine, et attiser la flamme de rage qui est là et qui est propagée par beaucoup trop de personnes, je trouve. Bon, tout le monde est au courant. Je pense que tout le monde a vu ce qui se passe avec Guira. Et quand tu as ton pote qui est dans cet état-là, ben, tu peux pas rester insensible forcément. Donc c'est pour ça que je vais prendre la parole. Mais différemment de ce qu'on a entendu jusque-là, quand le frère de Marine avait parlé sur les réseaux et sorti ça au grand jour, mon premier réflexe, ça a été de dire à Guira, écoute, je déteste ce genre d'attitude qui pour moi
prouve qu'on cherche un bad buzz de merde parce que ça ne doit pas sortir sur les réseaux. Moi, à la place de ce garçon, j'aurais été et j'aurais même pas eu le temps de prendre mon téléphone que je t'aurais éclaté la bouche. Je dis parce que moi, en tant que grand frère, si je sais que qui que ce soit a levé le petit doigt sur ma petite sœur, je lui laisse même pas le temps de respirer. Il m'a demandé de calmer le jeu, de ne pas l'appeler, chose que j'ai respectée. Et puis après, ça a pris des proportions et je voyais mon pote pas bien, jusqu'à même pas me répondre. Donc j'ai trouvé le numéro de Gauthier, je l'ai appelé. J'ai dit clairement que j'étais pas d'accord avec ce qu'il avait fait, que j'aurais pas réagi comme ça personnellement, mais que je voulais avoir une discussion d'adulte. Et donc c'est pour ça qu'avant de prendre la parole, je voulais l'avoir au téléphone, qu'il me donne sa version, comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il a agi comme ça. Il m'a donné ses raisons. On peut les remettre en question, on peut être d'accord ou pas d'accord, ça, ça lui appartient. Ses raisons, elles sont censées. Maintenant, il nous appartient d'avoir notre avis. Moi, je dis simplement qu'il est important, avant de dire quoi que ce soit, de se poser la question de la légitimité à le faire. Moi, je prends l'avis de Gauthier, de Marine, que j'ai eu au téléphone et avec qui j'ai parlé pendant longtemps. Jus, il m'expliquait pendant qu'il était en relation comment ça se passait. Je savais de ses dires à lui de quelle manière ça se passait. Okay, donc, il était important pour moi, avant de défendre mon pote et de monter au créneau, de savoir ce que Marine en disait. Marine a une version, Jus en a une autre, mais on n'est plus là pour parler de ça. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. On n'est plus là pour dire qui a raison, qui a tort. Jus a mal agi et il le sait. Il a déconné et il le sait. Donc, au final, il a avoué avoir mal agi. Il a avoué qu'il n'est pas normal qu'un homme lève la main sur une femme. Moi, je ne supporte pas qu'un homme puisse faire du mal à une femme et qu'il use de la force pour ça. Perdre son sang-froid devant une femme, pour moi, c'est faire preuve de faiblesse. Et il le sait, il l'a reconnu. Ok, on peut reparler de pourquoi Gauthier a sorti ça, pourquoi c'est sorti sur les réseaux, ça aurait pas dû. C'est fait, on fait quoi? On va remuer le couteau dans la plaie, on va relancer la machine pour que lui réagisse et pour qu'après ça soit un engrenage et que ça s'arrête jamais. Ça va servir à qui? Ça va servir à quoi? À rien ni personne. Au final, parce que Marine souffre parce qu'elle a encore des sentiments pour Julien, Julien souffre parce qu'il sait qu'il a mal agi et qu'il a encore des sentiments aussi et il sait plus comment sortir de ça. Donc à quoi ça sert? Nous, notre rôle en tant que personne extérieure, même si moi je sais que Jules m'a expliqué que c'était un amour vache, que je le fréquentais, que j'étais avec lui quand il m'expliquait qu'on vient de s'insulter, on vient de se mal se parler, on vient de se mettre sur la gueule tous les deux. Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Jules, il sait qu'il doit se soigner. Marine, elle n'est pas heureuse de le savoir dans cet état-là. Quand elle a pris la parole, elle l'a fait pour expliquer que oui, il s'est passé ce qui s'est passé, mais qu'il y a des sentiments et qu'elle ne lui souhaite pas le mauvais et qu'elle ne veut pas d'acharnement. Donc aujourd'hui, nous, qui on est nous, pour engrainer la machine, faire relancer le débat, pour qu'après ça se renvoie la balle et qu'il y ait une seule issue, un drame. Et il ne nous restera qu'une chose, c'est les larmes pour pleurer et se dire « Merde, quel rôle j'ai joué dans ce drame ?» En vérité, la seule chose que nous, il nous appartient de faire, c'est de soutenir les personnes qui en ont besoin. Marine dans ses souvenirs et Jus dans sa guérison. C'est la seule chose qui nous appartient de faire et j'emmerde les personnes qui vont chercher à attiser encore une fois le feu, la haine, parce que ça va servir qu'à une seule chose, ça va servir à mettre encore plus mal d'Ira comme Marine. Et ça va avoir qu'un seul effet, un drame. Les personnes ne réalisent pas les conséquences de ce qu'elles font. Ça me rend fou parce qu'en vérité, très peu de personnes vont prendre les avis. Très peu de personnes vont essayer de comprendre ce qui s'est passé avant de se prononcer. Et sans se rendre compte que ça va ne servir qu'à une chose, c'est à engrainer, à attiser la flamme de haine qui est allumée depuis un petit moment maintenant. Pourquoi ne pas à un moment donné avoir un peu de compassion, dire qu'on ne cautionne pas du tout qu'un homme lève la main sur une femme, mais qu'à partir de là qu'il l'a reconnu, tout ce qu'on peut espérer c'est qu'il se soigne, qu'il aille de l'avant et d'être là pour les personnes qui souffrent, tout simplement. Je vous avoue que je suis fatigué. Je suis fatigué de ce déferlement de haine, de colère, d'acharnement, où les gens, en fait, n'ont pas envie d'arranger les choses, n'ont pas envie de faire en sorte que ça s'apaise, que les gens aillent mieux. Non, tout ce qui importe, c'est tirer la couverture à soi. Tout ce qui importe, c'est d'avoir le bon mot, d'avoir raison, de mettre en avant. Ça me rend fou, ça me rend fou. Alors, soit c'est de la maladresse, soit c'est de la malveillance. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la bonne manière d'agir. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais que j'ai passé de longs moments à parler avec tout le monde. Je sais que Jus et moi, on se parlait de nos relations respectives. Et je sais que quand on est dans une situation comme la sienne et quand on est un personnage public et qu'on subit ce qu'il subit sur les réseaux, on a besoin des gens autour de nous. Et c'est pour ça que certains prennent la parole. Je pense juste qu'il y en a beaucoup qui le font de manière maladroite. Donc aujourd'hui, je le dis une fois pour toutes, tout ce qui importe, c'est qu'on apaise toutes ces tensions
et qu'on fasse en sorte que l'un se soigne et que l'autre aille mieux et qu'on leur souhaite le meilleur. Bon, j'ai une annonce. Shanna et John, vous faites trop semblant. On le sait, je le sais, vous avez des comptes à régler. Et je vous dis maintenant, ça sera ce soir. Sur le live de Matija Jonathan, j'ai préparé une surprise pour vous. Personne n'est prêt. À toutes. Ok, situation inconvenante. En gros, ce soir, ma tuteur va préparer quelque chose qui va devoir nous faire nous confronter, Shanna et moi. Ok, ben, je vais me prêter au jeu. Ça va se passer dans le live de Live Your Song, comme tous les soirs, à 22h on démarre. Et on va avoir, comme tous les soirs, des talents de la chanson, des chanteurs, des chanteuses qui vont venir nous offrir leur plus belle performance. Et pour l'occasion, ben, on va avoir des super invités encore une fois. Je vais vous balancer les flyers. Il y aura mon frérot Eddie qui sera là. Il y aura le magicien Donovan qui va nous faire rêver. Il va y avoir Kim, il va y avoir Miss Serbia, il va y avoir énormément de monde. Ça me fait plaisir. Il y aura DJ Leska qui sera là avec plein de bonnes nouvelles. Et on va partager encore un moment de folie à partir de 22h, Live Your Song. C'est le concours de chant à ne pas rater en ce moment parce qu'il mélange bonne humeur, good vibes, talent et surprise.